C'est Gauthier Chapuis que l'on voit sur cette image pendant la soirée électorale de dimanche dernier qui a été déclaré positif au coronavirus. Alors que les résultats de l'élection tombent, cet élu vert du 9e arrondissement de Lyon côtoie de nombreux membres de l'équipe de campagne, y compris le nouveau maire, Grégory Doucet. L'Agence régionale de santé est en train d'identifier et d'alerter toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact rapproché et prolongé avec lui. Une tâche difficile. Dans l'euphorie de la soirée électorale, parmi les militants et les élus, les masques n'étaient pas toujours de rigueur et encore moins la distanciation sociale. Grégory Doucet lui-même relâchera parfois sa vigilance. Alors une question est sur toutes les lèvres, le nouveau maire devrait-il à son tour être placé en quatorzaine? Ce matin sur notre antenne, il se veut rassurant. Oui. Parce que, alors on a consulté les autorités sanitaires, j'ai eu moi-même directement un échange avec le professeur Lina, et on a... Virologue, voilà, exactement. Et donc, quand on a décrit la situation, les différentes étapes qui auraient pu être des contacts, la conclusion était que le niveau de risque était très faible. Hier, lors du conseil municipal d'intronisation du nouveau maire, 10 membres du groupe écologiste manquaient à l'appel. Ils ont été placés en quatorzaine par précaution. Tous les élus verts seront testés à partir de mardi.